Montaigne Superstar, c'est une manifestation préparée par des bibliothécaires, puisque la bibliothèque de Bordeaux possède un patrimoine très important, un patrimoine écrit autour de Montaigne. 29 livres issus de sa bibliothèque et les essais de Montaigne. Mais Montaigne, c'est pas seulement un texte, c'est aussi une postérité éditoriale très vivante encore aujourd'hui, puisque on assiste en fait depuis quelques années à un certain nombre de publications autour de Montaigne sur des thématiques qui se diversifient de plus en plus, puisque Montaigne, on l'invoque énormément en ce moment pour en tant qu'introduction à la philosophie ou comme livre compagnon pour le développement de soi, puisque Montaigne a abordé énormément de thèmes, y compris des thèmes qui nous préoccupent aujourd'hui. Donc plusieurs ouvrages ont eu du succès ces dernières années, comme celui de Sarah Beckwell ou celui d'Antoine Compagnon, qui montrent qu'il y a une véritable activité littéraire, éditoriale autour de Montaigne, et aussi une véritable activité historique, puisque beaucoup de recherches sont encore en cours sur Montaigne, son univers, et particulièrement sur ce fameux exemplaire de Bordeaux, des essais de Montaigne. Du coup, on s'est dit que c'était un vrai sujet qu'on pouvait traiter pour un public le plus large possible, puisque nous proposons cette exposition dans une bibliothèque, c'est essentiellement une exposition de livres, mais présentée d'une manière très ludique, très interactive, qui met en scène beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews aussi de spécialistes qui ont un regard de certaines disciplines sur le monde de Montaigne et sur la façon dont il a organisé, sa réflexion et son écriture, et qui s'adresse au public le plus large. Qu'ils soient familiales, jeunes adultes, toutes les personnes qui fréquentent la bibliothèque ou qui habitent à Bordeaux. C'est vraiment une exposition très accessible de découverte du monde de Montaigne. Et c'est pour ça qu'on a décidé de se baser d'abord sur l'approche de qui était Montaigne, en quoi Montaigne c'était un homme de son temps, puisque le XVIe siècle c'est vraiment une époque assez particulière, l'époque des guerres de religion, et en quoi déjà à l'époque il se démarquait de ses contemporains par sa démarche de pensée, d'écriture, ses positionnements aussi politiques, et comment est-ce qu'il est devenu aujourd'hui une forme de superstar, puisqu'il est unanimement célébré, quoique on connaisse de moins en moins finalement la matière même de l'intérieur de ces textes. Et donc c'est ça qu'on a voulu redonner aussi au public, l'accès à du patrimoine écrit, des trésors nationaux comme l'exemplaire des essais de Montaigne ou la bibliothèque de Montaigne, et aussi une possibilité d'entrer dans le texte de manière un peu différente, un peu ludique. Et c'est pourquoi on a organisé vraiment la manifestation autour certes d'une exposition, mais aussi d'une programmation très diversifiée qui incite la participation aussi du public. Puisque, par exemple, on organise des cafés littéraires interactifs ou des matchs d'improvisation philosophique. Donc, on a vraiment une entrée qui est aussi créative et qui incite les personnes à également se positionner sur Montaigne et sa pensée, puisque toute l'œuvre de Montaigne tourne autour de ça, le dialogue entre le philosophe, l'auteur et la personne qui va entrer dans ce texte et dans cet univers. Pour cette manifestation, on a voulu une approche ludique et décalée et on a confié l'illustration de cette formule Montaigne Superstar, qui résume un petit peu l'approche qu'on a pour cette manifestation. On a confié le soin au dessinateur Jules de créer une figure de Montaigne qui va illustrer tout le développement qui est fait dans la manifestation, à la fois l'exposition et la programmation. Du coup, il a eu l'idée de dessiner Montaigne en collant. Donc là, c'est quelque chose qui est familier du XVIe siècle, mais en détournant cette approche avec des critères et des références qui sont contemporaines. Et donc Montaigne est devenu le temps d'un automne, un super-héros, comme on les connaît aujourd'hui. Donc c'est un personnage que Jules connaît déjà, dessine déjà, puisqu'il a participé à l'élaboration de bandes dessinées autour des philosophes au travail notamment, et Montaigne est l'un de ses personnages préférés d'ailleurs. Et du coup, on a porté la manifestation grâce à ce personnage, à la cape rouge, assez amusant, assez positif aussi. Et du coup, on a vraiment voulu cet esprit-là dans l'ensemble de la manifestation. Cette approche ludique, elle s'illustre par la création d'un jeu de société, Voyage avec Montaigne, donc qui tourne autour du voyage que Montaigne a fait en 1580-81 en Allemagne, en Suisse et en Italie. Un voyage qu'il a entrepris
pour découvrir d'autres villes, d'autres façons de vivre, mais aussi pour soigner sa maladie, puisqu'il souffrait de calculs rénaux, et donc il a fait beaucoup de tourisme thermal, et il est resté très longtemps en Italie. Et donc on a créé un jeu de stratégie, un jeu de cartes, autour de ce voyage-là, pour permettre une entrée aussi ludique, amusante, dans l'univers de Montaigne. Donc l'exposition est ouverte depuis quelques semaines, elle est très fréquentée, donc c'est une très bonne nouvelle pour la bibliothèque et pour le patrimoine écrit, puisqu'il y a peu d'occasions de consacrer des expositions à des livres et à de l'écrit, donc ça avait tout son sens de le faire en bibliothèque. Et le public est très diversifié, il est bordelais, il vient aussi de plus loin et dans l'ensemble satisfait. C'est beaucoup de personnes découvrent grâce aux vidéos, à la narration faite par un comédien qui joue le rôle de Montaigne, les différentes thématiques de l'exposition vont glaner un peu les éléments qui les intéressent. Donc certains vont se concentrer sur des vidéos avec des spécialistes, d'autres vont regarder les différents exemplaires des essais et on explique la façon dont le jeu fonctionne à un certain nombre de personnes qui peuvent aussi s'initier par le jeu à cet univers-là. Donc dans l'ensemble, on a des retours très positifs.